Salut à tous. Écoutez, on va faire une petite montante sur téléphone, histoire de repousser au maximum les limites du n'importe quoi. On va essayer de s'amuser. Montante, donc je rappelle le principe, on va lancer 4 expressos à 1€. Le nombre d'expressos qu'on gagnera sera le nombre d'expressos à 2€ qu'on lancera, etc., etc. Bon, pas d'objectif aujourd'hui, hein. On a déjà eu le ticket à 50€, donc les expressos à 4€, c'est plus une priorité. Le but, c'est juste de s'amuser. De voir ce que ça donne sur téléphone, j'avoue que j'y joue jamais. Pour grind, c'est vraiment, bah, c'est affreux quoi. On peut pas avoir nos tables en même temps. Enfin bref, vous allez voir. C'est vraiment la totale aventure aujourd'hui. Bon, d'accord. Alors, du coup, ça s'affiche à gauche, c'est ça. Ok, donc pas évident de suivre, pas évident de prendre des informations sur les adversaires avec, avec ce format. Roi 9 suité, je vais l'iso. As value, j'ai open call. Faut vraiment prendre des décisions rapidement. Ouais, c'est. Donc en rouge, c'est quand on arrive dans la banque, dans la réserve de temps, je crois. Bon, lui, faut qu'il arrête de se moquer de moi. Ok. D'accord. Paire de 3, ce sera push. On éliminait ici. T9, on va bet. Ok, on perd contre paire de 2. Ça se passe pas très bien. On va barrel ici. Quoi qu'on puisse faire fold, c'est très bien. S'il a une dame, bah écoutez, il a une dame. Hein. Va checker. S9 off, on va tout mettre. Allez. Allez, allez, contre valet 10. Bon, il fait le valet. Deux valets. Bon. Bah écoutez. J'ai bien l'impression que ça va être fini très rapidement cette histoire. C'était une découverte. C'était pour voir un peu ce que ça donnait sur téléphone. Pour un peu le logiciel, tout ça. Je crois que mes a priori sont confirmés. C'est vraiment affreux pour jouer, quoi. On doit prendre des décisions très très rapides. On prend aucune information sur les joueurs parce que les tables qui bougent dans tous les sens. Ça rend la jouabilité très compliquée. Bon, là on est pas mal, mais on a 0-3 blindes, je crois, un truc comme ça. Remarquez, on est remonté à une, je crois. On joue pour tripler. Bon, allez, contre 3-9. Oh la vache, on est même derrière. Et on gagne quand même. On a 3 blindes. On revient de nulle part. Et on va la push. 9 off. On va fold. Allez, paire de 2. On fait brelon ici. Donc a priori, c'est une victoire. On revient de très très loin. Bon, paire de 7, on y est. Allez, il faut battre As 3 juste. Brelon de 7, décidément. Carré de 7. On en aura fait des brelons aujourd'hui. On perd de 3, évidemment. C'est un flip. Encore un brelon. Décidément. Quand toutes les pocket paires font brelan, c'est plus simple pour gagner. Incroyable. Bon, lui aussi fait brelan. Il fait même full. C'est pas fini loin de là.
Mais bon. Allez, C4 enfin tapis. Ah, paire d'as. Aïe, aïe, un valet. Bon. Croix et 2 contre As 3. Il fait brelan. Il fait carré même. C'est incroyable ce qui se passe. Il y a des carrés, des brelans de partout. Je ne suis plus grand-chose sur la ligne pour ma push. On a encore deux As là-haut. Il y a des grosses mains partout. Contre As 7. Ah, pas de pique. Yes. Bon. Alors, on n'a pas gagné encore. J'allais dire, on a gagné au moins un, mais on l'a pas encore gagné. Allez, on y va. Une petite flush. Un brelan. Des brelans partout. Partout, partout. Et on a gagné deux. Bon. Eh ben, écoutez, on va continuer, hein. Et on a encore 2x2. Bon, bon, bon. C'est vraiment une aventure totale là sur téléphone. C'est la jungle. On en envoie partout. C'est vraiment. C'est vraiment le zoo. Overbet sur 2 4 6 après un mine 3 bet. Non, c'est sur l'autre table que ça, mine 3 bet, pardon. V9 off, ce sera open. Bon, 4 et 3, on va limper sans info. Bon, là, c'est évidemment un bet facile. V9 off, on se fait mine 3 bet et on touche un valet. Allez, on est devant. Enfin, c'est un flip, mais on le perd. Bon. Bon, bah écoutez. Waouh, là on fait une belle quinte. Tout de suite stab. Oh non, pourquoi cette river? Pourquoi? Est-ce qu'il a envie de value un as? Est-ce qu'il a envie de value un brelan d'as? Je sais pas. Mais remarquez, il y a quelques brelans qui vont faire full en plus. On va fold, mais bon. Mais bon. Ça se passe pas terrible. C'est un bon flop, il snap. Snap check, on va bet. Bon bah on va bet fold hein. Allez. Allez, allez, 10 et 6 off, on va fold. Roi 10 off. On va y être. Ouais. Allez, on est devant. Ah non, c'est bon. J'ai vu le 9, j'ai eu peur. On a bien le roi. Bon, si on arrive à jouer à 4 euros, ce sera pas tant une catastrophe que ça. Même si on a eu que des fois 2, c'est vraiment pas fou. Sur des fois 2, on se fait pas d'argent, quoi. Donc c'est pas terrible. Allez, Nemus, qui hésite. Un flip pour finir ça, peut-être. Eh oui. Une victoire sur les 2 euros. Ça fait 1,4 euros. Allez, on voudrait voir de la couleur là. Un petit bleu, un orange. Voilà, un bleu parfait. Exactement ce qu'on voulait. Si on pouvait le gagner maintenant. Si on le gagne. Attendez, si on le gagne. Est-ce qu'on est sûr de rembourser totalement le tournoi? Je ne crois pas.
On est sûr de rembourser la montante, pardon. Je ne crois pas. Non, on va check call. Hein. Cette river. On va mettre. On va bet fold, je pense. Non, bet. Peut-être pas bet fold, remarquez. On aurait réfléchi, je pense, river. Ne fait 3, rien à faire. Et on va être en heads up. On va être en heads up contre Luigi. Ça serait bien de gagner ça. On se fait iso, on va pas call. Je décide si ça fond, on va fold. Allez, dame 8, on va push. Comment il est agressif. Pas envie de se faire iso avec dame 8. On va aller 9-3. Malheureusement, c'est pas pour nous. Dame 7 off. On va push pour pas se faire agresser. Allez, voilà, ça va être déjà un 10. Et non. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. On s'est broke complètement. Au final, on a perdu 4 euros sur cette montante, mais bon. C'était histoire de voir. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner, laissez un commentaire. Allez, nouvelle vidéo demain à 18h. Salut!